Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, toujours dans le programme PPL, on est dans le L, les legs, d'accord? C'est dur qu'on va faire les jambes, mais voilà, pour les jambes, il ne sera pas aussi chargé que les autres. Parce que un vrai programme PPL va se faire en salle de sport. Mais si tu ne peux pas le faire en salle de sport, on va le faire à la maison, on va se débrouiller quand même. Mais on va mélanger les jambes et les abdos. C'est comme un programme de fin, si tu veux. Donc, on va se faire 3 exercices jambes et 3 exercices abdos tranquillement. Donc, prends une barre, prends des haltères, prends de l'eau et on commence. Exercice numéro 1, on va se faire des squats à la barre. Donc, moi, je vais prendre ma barre EZ. Tu peux prendre une barre droite si tu veux. Ou si tu n'as pas de barre, tu peux prendre ton halter. Ton halter, je précise, tu peux le prendre comme ça, hop, et faire ton squat tranquillement. Moi, je vais prendre la barre, c'est mieux, si t'as une barre, c'est mieux, prends ta barre, prends pas trop lourd, d'accord, parce que ta barre, tu n'as pas de barre à squat, tu n'as pas de protection, donc ta barre, tu es obligé de la prendre, hop, de faire comme ça, et de la mettre, hop, sur tes épaules, enfin, sur tes trapèzes, plutôt. Et si je prends une barre trop lourde, bah, tu vas te faire mal, et l'idée, c'est pas de se faire mal, ok? Donc, on va se faire 4 fois 10 répétitions et essayer de descendre bien bas. C'est parti. Hop. 1. 2. Ok. 3. 4. 5. Je commence à avoir des papillons. C'est pas bon. 6. Allez. 7. 8. 9. Et 10. Très bien. Hop. Repos. Ok, c'est parti. Repos, on va prendre 1 minute 30 de repos tranquillement. Et je mets mon petit trait. Ah, ça me fait tellement du bien de faire du squat à la barre parce que je soulève lourd de base, tu vois. Je soulève lourd à la salle. Là, j'ai un petit squat léger, ça me fait du bien tranquillement. J'ai mon eau. Pour la première, on va pas se mentir, je suis chaud, je vais peut-être partir à 1 minute. Parce que là, je me sens bien. À savoir, je fais ce programme-là en dernier. J'ai fait le premier, le deuxième, le troisième, le même jour. Je me suis reposé une petite heure. Là, j'ai de la force. Enfin, je me suis bien remis. J'étais au bout de ma vie tout à l'heure. Mais là, ça va, je suis bien. Donc, je vais prendre une minute de repos et je vais repartir tranquillement. Oh. Là, c'est les jambes, d'accord? Les jambes, c'est important. C'est très important. Je vais te dire ça après. J'ai envoyé ma séance. Parce qu'on a une minute de repos. Mais toi, si t'es fatigué, prends une 30. Hop, mets la barre sur les trapèzes. Et on y va. Une. Deux. Trois. Ouais. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et 10. Ok. Hop, effacé. Je mets mon temps de repos. 2. Les jambes vont te servir à soulever plus lourd dans certains exercices, tu vois. En salle de sport, à la maison, tu as des exos où tu prends appui sur le sol, comme le développé couché, les tirages quand tu fais le dos, ça c'est plus en salle. Et ben, l'appui que tu prends avec tes jambes va te servir à soulever beaucoup plus lourd. Soulever plus lourd, casser plus de fibres et progresser encore plus en musculation physiquement. Donc, c'est important de bosser ses jambes. Et esthétiquement, bah, c'est beau. Quand tu as un haut du corps musclé, des jambes musclées, c'est beau. Quand tu es en short et tout, c'est très, très beau. Mais après, voilà. Naturellement, on va dire, pour les gens qui sont grande taille, c'est plus dur d'avoir des jambes. Pour les gens qui sont plus petits, c'est plus facile. Il y a des prédispositions, malheureusement, qui ne sont pas données à tout le monde. Et ça, il faut en être conscient. Oh. On est déjà une minute. On va laisser, d'accord, jusqu'à 1 minute 30, tranquillement, histoire de bien faire ce programme et de ne pas trop se cramer. Parce que, bien évidemment, tu te dis bien qu'il y a des fentes dans ce programme. Les fentes, je n'aime pas les fentes. Je déteste les fentes. Ça fait mal, mais on est obligé de les faire. On va les faire quand même. Oh, on se prépare à ça. Allez. 1 minute 20, ça me laisse le temps de placer ma barre tranquillement sur mes trapèzes, toujours, et de partir. On y va. 1, 2, 3, allez,
4, Ouais. 5, 6, allez, 7, 8, allez, 9 et 10. Ouf. On est bon. Troisième trait. Il en reste une. Ouh. Comme je t'ai dit, hein, les jambes, c'est important. Faut pas les négliger. Moi, je les ai négligées pendant très longtemps, les jambes. Parce que je vais pas te mentir, en musculation, je bossais ce que je voulais voir. Moi, je voulais. Enfin, je me voyais au miroir, je me disais, voilà, je vois mes bras, mes pecs, mes épaules, mes abdos. C'était suffisant. Les jambes, je m'en foutais. D'accord? Mais voilà, quand tu sais que tu es bloqué dans des charges en musculation et que les jambes vont t'aider à gagner en force et puis en volume musculaire, et ben tu bosses tes jambes. Et tu verras, ça va t'arriver si toi aussi tu as pratiqué en musculation, tu comptes évoluer au haut du corps, tu verras que ton bas du corps te sera grandement utile. Et si tu fais du sport de haut niveau, le bas du corps, ben tu es obligé de le faire. Tu es obligé. Ou si tu comptes faire du sport de haut niveau aussi, t'es obligé de le faire. Et si t'es une femme, bah, le bas du corps, voilà, c'est ce qu'il y a de plus esthétique chez vous quand vous le bossez, que ce soit l'ensemble du bas, que ce soit les cuisses, le fessier, les ischio-jambiers, les mollets, il faut bosser, c'est important. C'est très important. Oh. Allez, 1 minute 20, c'est la dernière, c'est parti. Hop, je mets la barre sur le trapèze et on y va tranquillement. Une, ouais. Deux. Trois. Quatre. Ok. Cinq. Ouais. Six. Ouais. Allez. Sept. Ok. Huit. Allez. Neuf. Et dix. Hop, je mets mon temps de repos, ma quatrième barre, et on est bien. Bon, tu prends 2 ou 3 minutes de repos, et on passe à l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2, on va faire du front squat, d'accord? C'est-à-dire qu'on met la barre devant, hop, hop. On va mettre la barre comme ça, et on va faire notre série tranquillement. Si t'as pas de barre, t'as des haltères, porte une haltère comme ça directement. Hop, ok? Ouf. Pareil, 4 fois 10 répétitions. Par contre, la barre, elle me fait un peu mal, la barre EZ. Elle me fait un peu mal aux épaules. Je vais la prendre quand même. Allez, c'est parti. Oh. Hop. Je passe un son au micro. Hop, je suis bien placé. On y va. Hop. Une, deux, trois, ok. Quatre, allez. Cinq, allez. Six, ouais. Sept, allez. Huit, ok. Neuf. Et dix. Oh. Pareil repos. Une trente. Là, on commence la séance. On commence à avoir mal. Front squat après squat, ça fait mal, ok? Le squat quand tu commences, c'est bien. Mais quand tu fais plusieurs séries, quelle qu'en soit la charge, là tu commences vraiment à rentrer dedans. Ok? Donc on va prendre notre minute 30 de repos tranquillement. On va pas faire le malin à prendre une minute ou je sais pas combien de temps. On va prendre une 30. Oh, parce que là on est bien. Plus ça j'entends, il commence à pleuvoir là. C'est bien, ça va ramener un petit peu de fraîcheur dans la maison. Ouh. Allez. Ouh. Ouh. Ah. Faut que je te fasse une séance jambes en salle de sport. Faut que je te montre. Il faut que je te montre. À chaque fois que je te dis ça, je sais que je te le fais pas, mais faut que je m'organise. Faut que je m'organise. Faut que dans la semaine là, j'aille à la salle, je fasse mon training jambes et que je te le filme. Faut que je te fasse ça. Parce que sinon je vais jamais le faire et c'est pas bon. Ouh. Allez. 14, 15, très bien. Allez. Ouh.
ça va, mon temps de repos, il est assez long, il est bien pour l'instant. Il est tranquille, j'ai que trois exercices. Trois exercices. Trois exercices. Hop. Ok, c'est bon. Oh. On prend la barre. On la place bien. Et on y va. Une. Deux. Trois. Quatre. Allez. Cinq. 6, oh, 7, 8, 9 et 10. Oh, les jambes, c'est important. Je sais que ça fait mal. Je sais. Ça fait mal. C'est pas comme les autres muscles. Les courbatures aux jambes, ça reste longtemps. Mais grâce à ça, tu vas progresser au niveau du dos, au niveau des tirages d'os. Pour avoir un bon dos, au niveau du développé couché, pour avoir des bons pecs, c'est important. Bosse tes jambes. Après, je te demande pas de bosser tes jambes pour avoir des grosses jambes, mais juste pour avoir la force nécessaire quand tu prends appui sur le sol pour faire de bons mouvements et casser plus de fibres. Juste ça, juste la base. Une séance jambes dans la semaine, c'est suffisant. Une séance jambes, je te demande pas de faire une séance plus un rappel. Je te demande pas de faire tout ça. D'ailleurs, moi, à la salle, parfois je fais une séance jambes complète, parfois je fais une séance jambes spéciale. Je sais plus comment ça s'appelle, quadriceps. Je suis tellement KO, je sais même plus quadriceps. Et parfois je fais une séance spéciale ischio. Parce que moi, les squats, malheureusement, au lieu de travailler l'ensemble de mes jambes, bah, je prends beaucoup plus sur le fessier. Un tout petit peu aux ischio, mais beaucoup dans le fessier. Et malheureusement, quand je bossais mes ischios, bah, je suis obligé de travailler beaucoup au leg curl. Enfin, au leg extension, pardon. J'ai un leg extension ici, je peux l'utiliser. Mais toi, si tu n'as pas de leg extension, bah, ça ne sert à rien, d'accord? C'est rien que je le fasse et que toi, tu l'as pas. C'est mieux que je fasse des trucs que tu peux faire. Sinon, je bossais tout seul. Bon, on y va encore pour la troisième. Oh. Allez. Ouf. Oh. Je touche un peu le micro, mais c'est pas grave. Allez. On y va. Une. Ok. Deux. Trois. Quatre. Allez. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Oh. Oh. Temps de repos. C'est ta troisième, il en reste une. Après, on est bon. Oh. Oh. Je commence à retranspirer. Déjà, juste avec du squat. C'est incroyable. J'ai pas encore regardé ce que ça donne en retour. Mais j'espère que le setup et l'ambiance, tu l'aimes bien. C'est un peu le même type d'éclairage que j'ai mis dans la chambre. Sauf que là, j'ai deux lumières. J'ai une lumière en face de moi qui m'éclaire bien et une lumière au-dessus de moi qui donne un bel effet, et j'espère qu'on me voit bien et que je suis pas trop sombre. Et derrière, voilà, tu connais les petites lumières de couleur, histoire de donner une ambiance et un thème. Chaque couleur, un programme différent, c'est important, histoire de changer un peu et de pas être dans le même mood à chaque fois. Oh. Allez, il en reste une, après on passe aux fentes. Ah là là, les fentes, les mecs. En plus, avec mon pote, on fait une séance à la salle tranquillement, notre séance jambes, et à la fin, on fait une grande ligne qui fait toute la salle et on fait les fentes. Et il me dit, allez dames, on y va et tout. Je fais, ouais, mais toi, ton point fort, c'est les jambes, t'es content, moi, je suis pas content. Il me dit, allez, on y va quand même, et je le suis. Mais à la fin, je suis content. Quand j'ai validé ma séance, je suis content. Oh. C'est juste quand j'ai trop mal au genou, je fais pas les fentes, malheureusement. Hop, on arrive à 1 minute 30. Hop, on se place tranquillement. Ok. Et on y va. Une. Deux. Trois. On a trois. Quatre. Ok. Cinq. Ouais. Six. Ouais. Sept. Ok. Huit. Ouais. Neuf. Et 10.
Oh. Ok. Je mets mon quatrième trait. Mon temps de repos. On prend 2 ou 3 minutes de repos. Et on passe aux fentes. C'est parti. Pour les fentes, on va se faire un truc différent que d'habitude. Parce que dans tous mes programmes jambes, j'ai fait toujours le même exercice fente. Là, on va faire une petite variante. On va se faire des fentes statiques. Pas besoin d'haltère pour celui-là. D'accord ? Même si tu peux prendre un haltère, je peux le mettre comme ça, mais je trouve pas ça utile. Ok ? On va se mettre comme ça, les mains liées. 10 d'un côté, hop, et 10 de l'autre. Ok ? On va faire ça 4 fois, 10 répétitions. C'est parti. On se met en position. On descend bien bas et on y va. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9 et 10. Ok, démarrer. Repos pareil, 1 minute 30, d'accord. Là, on va pas faire le malin, ça fait mal. 1 minute 30, ça va aller vite. Et après, on pourra s'amuser avec les abdos tranquillement. Faut que je fasse attention à la lumière parce que ça tombe sur moi, c'est fini. Bon, même si ma lumière, elle est relativement légère, mais je veux pas que ça tombe sur moi quand même. Ah ouais, il y a des papillons qui sont déjà dans la lumière. Bon, je les laisse tranquilles. Faut pas que ça vole devant la caméra pour rien. Et on y va. Je sais pas pourquoi je déteste autant les fentes. Ça fait mal, d'accord? Ça fait mal. Mais on n'est pas là pour pas faire ce qu'on n'aime pas. On est là pour se faire mal. Si ça fait mal, c'est que ça bosse. Comme je te le dis dans mes programmes. Et nous, on va bosser. On va les bosser ces fentes, on va les bosser. Comme je t'ai dit, à la salle, je l'ai fait avec un sac de base. Donc là, je suis un peu plus à l'aise en fente que lors de mes premiers programmes que j'ai fait dans ma chambre. Rappelle-toi bien, remets les vidéos là, de mes programmes dans la chambre. Quand je suis en chaussette et je glisse un peu là, ah, c'est compliqué, là ça fait mal, là ça me faisait mal. Mais là ça va, bon, j'ai pas de poids, ok. Mais ça va quand même, je suis quand même mieux. Pfiouh. On arrive à 30 tranquillement. On va repartir, on se place, les mains comme ça, et on y va. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Oh. L'autre jambe. On y va. 1, 2, 3, oh. Allez, j'ai perdu l'équilibre, allez. 4, 5, 6, 7, 8, allez, 9 et 10. En fait, j'ai moins d'équilibre sur cette jambe-là. Mais ça va, ça va, ça va. C'est pas un manque de force, c'est juste un manque d'équilibre qui m'handicape un tout petit peu. Il reste des glaçons encore. Mon truc il a plus de goût. C'est que les glaçons. C'est que l'eau glacée que je sens. Mais ça fait du bien quand même. Allez, il reste 2. Il reste 20 fentes à faire. Tranquillement. On va les faire, on va progresser. Ça va faire du bien. Ah. Allez. Hey. Normalement, tu vois, à la salle, ce qui est bien, c'est que pour les jambes, t'as tout. T'as du leg extension, t'as du leg curl, t'as les vraies barres pour les squats, t'as de la presse, t'as tout ça, tu vois. T'as des machines abducteurs, adducteurs, pour travailler le fessier ou pour travailler les adducteurs. T'as tout, tu vois. À la maison, tu peux que faire du squat, tu peux que faire des fentes. Tu peux aussi faire du hip thrust pour les fessiers, moi j'ai pas besoin. Tu peux que faire ça, tu vois, tu peux pas faire grand chose, malheureusement. Et on est très handicapé, surtout vous les femmes qui veulent travailler les jambes
à la maison, vous êtes très handicapé avec les haltères, malheureusement. Allez, on y va. Hop. Hop. Une, deux, trois, quatre. Allez, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. L'autre jambe. Essayez de garder bien appuyé. Et on y va. Une, deux, trois, quatre, cinq. On se concentre. Allez, six, sept, huit, neuf et dix. Là, c'était bien. Je commençais à avoir mal, mais c'était bien. C'était vraiment bien. Allez. Là, j'ai qu'une envie, là, c'est d'aller à la salle et de mettre 100 kilos sur la barre. 100 kilos sur la barre, de commencer mes squats. 110 kilos, enfin, 100, 120, 130. M'arrêter à 130. Parce que 140, voilà, c'est très compliqué de soulever 140 kilos en squat. Mon frérot, il le fait, 140, 150, bientôt les 160 pour lui, je pense. Il en est capable. Mais il faut que je te filme ses séances. J'ai déjà filmé ses séances squat, ses séances jambes. Il fait des bonnes séances, il a des bonnes perfs. Et avec lui, je m'entraîne bien. Parce que là, l'expérience dans les squats, et il m'assiste bien, et il m'aide bien, et il me motive bien à rentrer dedans. Oh. On arrive bientôt à la minute, tranquillement. 30 secondes. Après, on valide ce programme. J'ai pas mis mon troisième trait. Parce que j'en ai fait 3. Là, je le sais que j'en ai fait 3. Oh. Allez. Tranquille. Tranquille, tranquille, tranquille. Ok, on a 1 minute 20. Ça me laisse le temps de me replacer tranquillement. Et on balance. C'est la dernière. Tous ceux qui n'aiment pas les fentes comme moi, c'est la dernière. On est deux. On est plusieurs là. Allez. Une. Deux. Trois. Allez. 4, ouais, 5, 6, 7, 8, ok, 9 et 10. L'autre jambe, la plus difficile. 1, 2, 3, 4, allez, 5, c'est rien, 6, 7, on a connu pire, 8, 9, et 10. Ok. C'était validé. On prend 2 à 3 minutes de repos et on passe aux abdos tranquillement. Ok, c'est parti pour les abdos. On va se faire le premier exercice aux haltères debout. C'est l'exercice aux obliques, d'accord? Tu prends ton poids et hop, tu vas chercher 4 fois 10 répétitions tranquillement, 30 secondes de repos. C'est parti. Hop. Je prends mon haltère. Je me baisse comme ça et je remonte. Ok? Allez, on y va. Hop. Une. Deux. Trois. Allez. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. L'autre bras. Une. Deux. 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Hop, repos, 30 secondes de repos et on repart. Les obliques, les abdos, ça récupère vite. Donc on fait ça bien et rapidement pour être tranquille. Parce que ça s'enchaîne, d'accord? On a fait les jambes, on s'est fait mal. Maintenant, on se soulage aux abdos. Bon, il y en a qui vont avoir mal aux abdos, il y en a qui vont faire du bien. Tout dépend. Ouh. Allez, 26, on arrive déjà à 30. On y va, on repart pour les obliques. Allez, une. Là, on tape dans les poignées d'amour, là. Deux, allez. Trois, c'est important. Quatre, allez. Cinq, allez. Six, allez. 7, 8,
9 et 10. Ça, c'est parce qu'on a mangé de la merde. Allez, 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, on va chercher, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Hop, on y va. Hop, je fais tomber ma feuille. J'en ai fait 2. J'ai même pas noté. Je suis complètement fou. Il me reste encore 2. Je commence à retranspirer. C'est incroyable. J'ai juste des obliques. Mon corps ne comprend plus rien. J'ai transpiré tout à l'heure. J'ai fait une pause. Là, je retranspire. On dirait que je fais un marathon. Allez, on y va, on repart. Hop. 1. 2. 3. Allez. 4. Ouais. 5. Ouais. 6. Ok. 7. 8. 9. Et 10. L'autre bras. Allez. 1. 2. 3. 4. 5. 6, allez, 7, 8, 9 et 10. Ouh. On démarre, temps de repos. Troisième. Il en reste une dernière et on est bon. Juste une dernière. Putain, je suis content parce que au moins cette semaine... Enfin, à l'heure où je fais cette vidéo, ben il y aura une vidéo par jour pendant 7 jours. Je suis content. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. 7 jours de vidéo. Comme ça, j'aurai de quoi faire pour mes projets. Je serai tranquille. Je pourrai me reposer tranquillement. Allez, on part pour la dernière. 1, 2, 3, allez, 4, ouais, 5, 6, 7, allez, 8, 9 et 10. L'autre bras. 1, 2, 3, allez, 4, ouais, 5, allez, 6, 7, c'est pas tout ce que j'ai, allez, 8, allez, 9 et 10. Il m'en faut plus, mon fatigué. Il m'en faut plus. J'ai mis mon temps de repos, hop. Ok, on prend une minute. On prend une minute de temps de repos. Désolé, faut que j'aille vite parce qu'après je replace le banc pour les abdos. Et on passe à l'exercice suivant, crunch abdos. Ok, je te récupère direct parce que je place mon banc vite. Ok, là on va se faire des crunch tout simplement sur banc. On va se faire 4 fois 20 répétitions avec 30 secondes de repos. Je prépare ma petite feuille, histoire de mettre mes trucs vite et mon chrono. Et c'est parti. Pour rappel, on se fait des crunch basiques. Hop, je me mets bien. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Hop, je balance mon temps de repos tranquillement et je mets mon premier trait. Hop. Petit rappel pour les crunchs. C'est le corps qui monte, c'est pas la tête qui monte. Parce que beaucoup de personnes voient des messages en disant quand je fais les crunchs, j'ai mal au cou, d'accord ? C'est pas ton cou qui monte, c'est ton corps qui monte, c'est tes pecs qui montent, c'est ton buste qui monte. Quand tu auras compris ça, tu n'auras plus de douleur. Ok ? On repart, c'est parti. C'est le buste qui monte. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop. Hop, on met le temps de repos.
on y va. Pantalon et descend, c'est pas bon. Hop. Voilà, deux. Ne mets pas les mains derrière ta tête, d'accord? Parce que quand tu mets les mains derrière ta tête, tu vas forcer ta tête à pousser, tu vas te faire mal au cou. Fais comme moi, mets tes mains là, tu vois? Tu touches tes oreilles ou tu mets les mains juste devant tes oreilles. Ça va t'aider, mais ça va pas te forcer à monter ta tête. Hop, mon micro il est tombé. Je referme la poche et on repart. C'est parti. Allez, les mains juste ici et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouh. Là, je sens la crampe venir. Donc, je mets mon temps de repos. Je mets mon troisième trait. Il en reste une dernière. Et je vais boire de l'eau. Hop. Les abdos, la crampe, elle est vite arrivée. Donc, faut boire. Prends deux bonnes gorgées ou une bonne gorgée. Et c'est bon. Redresse-toi un peu. Souffle un peu. Pour éviter la crampe. Et on repart tranquillement. Pour faire la dernière. Allez, on y va, on se replace. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Oh. 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 Je mets mon temps de repos tranquillement. Je mets hop mon quatrième petit trait. On prend une minute. Ça fait deux fois. On prend une minute de temps de repos et on passe au dernier exercice qui sont les relevés de jambes, bien évidemment. Le plus important. Putain, je suis tellement pressé de finir que j'arrive même plus à parler. Allez, dernier exercice pour finir ce PPL jambes partie legs. On va se faire des relevés de jambes tranquillement, 4 fois, 10 répétitions, 30 secondes de repos. Je rappelle, les relevés de jambes, c'est le plus important. Ça élimine le bas, d'accord? Ça travaille le bas des abdos et ça éliminera tout le gras qu'on a accumulé en bas. Bon, bien évidemment, le repas aussi, la diète aussi va compter, mais c'est important, c'est là où on stocke le plus. Les dames stockent plus que nous, les mecs. Mais nous, les mecs aussi, quand on se laisse aller, la brioche bouée, elle est là. Donc, c'est ça qu'il faut faire. On va le faire. C'est parti. Alors, moi, je suis sur mon banc. J'ai de la chance. Je prends appui. Et on y va. 1, 2, 3. Allez. 4, 5, 6, 7. 8, t'as géroté, 9 et 10. Ça, c'est l'eau, ça. J'ai trop bu d'eau à cause des crampes. On y va. C'est comme mon corps, il veut que j'arrête la séance. Il me fait roter, je vais vomir de l'eau. Hop, 1. On en fait 4, après c'est fini. Juste 4, c'est rien, 4, c'est rien. Les abdos, faut les bosser un peu tous les jours. C'est important. C'est comme ça qu'on a un ventre plat. 23, 24, 25. Ok, c'est bon, je peux arrêter le chrono. Je me replace tranquillement. Et on y va. 1, 2, 3. Allez. 4, ouais. 5, ouais. 6, ouais. 7, 8, 9 et 10. Oh. Oh. Hop, je mets mon temps de repos très très vite. Faut pas que je gagne du temps. Et mon deuxième trait. On est bien. Il nous en manque deux. Il nous en manque deux et on a fini. Juste deux. Ça, c'est un petit programme. Un petit programme leg qui fait du bien. D'accord? Dès qu'on valide ça, on est tranquille. Après, tu peux jouer à la play. Tu peux sortir. Tu peux faire ce que tu veux. Mais le plus important, c'est que ta séance, elle est validée. D'accord? On est à 27. Hop, on y va, on repart. 1, ça va très vite. 2, 3, allez. 4, ouais.
5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Ok. Je balance. Deux temps de repos. Et hop, un troisième trait. On y va. Il nous en reste une. Une dernière. Une dernière et c'est validé. Pour ceux qui font juste ce programme, c'est validé. Pour ceux qui font autre chose derrière, bah, c'est le début de la séance. Mais au moins, celle-ci sera validée. Je coupe le chrono parce qu'on est à 26. Je me place tranquillement. Je me mets bien. Et on y va. Une. Ouais. Deux. Ouais. Trois. Quatre. Ouais. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Ok. Ouf. Oh. Là, j'ai pas besoin de mettre de temps de repos. Juste, je mets mon trait de satisfaction pour dire que j'ai fini tranquillement. Voilà, on est bien. Bon, cette séance est finie. Le programme PPL aussi est fini. Ça m'a fait du bien de le faire avec toi. Ça me fait du bien de le partager. Oh, je suis KO. Bon, avec ça, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Je prends mon téléphone pour voir si je suis bien dans le cadre. Vraiment, oui. Ouais, je suis bien dans le cadre. Avec ça, tu peux faire une de mes séances points faibles. N'importe laquelle, que ce soit bras, épaules. Tu prends ce que tu veux. Tu prends ma playlist points faibles musculation. Tu prends la séance que tu veux. Le muscle que tu veux travailler ou tu fais un peu plus d'abdos. Et on est bon, d'accord? On est tranquille. Pas besoin de se bousiller un peu plus. Là, c'était une séance vraiment soft, d'accord? Si t'as aimé cette vidéo, mets un petit j'aime, mets un commentaire, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.